Eh bien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une journée en commençant par Touta. Donc on est au parc Astérix. Et coucou. J'ai une question, est-ce que ça compte si on peut commencer par Toutatis si on rentre au parc à 18h? À débattre, hein, à vous de voir. Oh, un débat. Oh non, pas encore un débat. Mais voilà, on voit que la file s'est déjà remplie. Nous savons, on est arrivé dans les premiers. Il pleut devant, ça pluie. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un Touta dès le petit matin. Oui. Ça va, on monte correctement. Oui, il y a encore des rails. Ah, c'est d'autres rails différents. Le train est déjà parti, la gare est vide devant. Du coup quoi Cédric? Par contre, normalement il est tout seul dans son train. Il est vraiment tout seul à sa... au first. Oui, c'est tout seul à sa first. Il n'y a pas de voisin. Il n'y avait pas de single. Ouais, pas de single et il dégage tout seul. Il sera tout seul. Après c'est bien de rider tout seul aussi, au moins personne te gêne. Il y a déjà du monde à Osiris. Mais tant qu'on fasse un Touta, ça s'est rempli. Oui. Mais bon, après c'est Osiris, donc c'est un coaster qui débite très bien, ça va. Bon, voilà, ça commence là. Oui, pour l'instant, il est 4 trains, il n'y aura jamais le troisième dès le début. Mais bon, ça peut le faire quand même. Hein. Pensons au nocturne d'Halloween où parfois il a 2 trains après une certaine heure. Ça n'empêche pas qu'il débite bien quand même. On est embarqué. On voit la file qui s'est bien remplie derrière nous. Et ils ont rajouté un train juste devant nous aussi. Et on a le train le plus froid, mais c'est celui qu'ils ont rajouté. Non, le train 3 il était là avant, nous c'est bon. C'est le train 1 qu'ils ont rajouté. Nous on a le 3 donc ça va. Par contre ils montent. Ah voilà, je me disais ils montent lentement, mince, qu'est-ce qui se passe?
va quand même Airtime. Zéro Jérôme. Wouh. Et on voit le train qui part à vide. Il fait un tour d'essai. Oui. Bon, forcément, comme ils viennent de rajouter les trois trains, eh ben il y a un train en gare, donc faut attendre un peu. Mais ça devrait pas trop tarder. Tous les coups, comme le train en circulation, c'est le train, ils vont peut-être attendre qu'il ait bien fini le layout. Avant de l'envoyer, ils vont vérifier qu'il boucle bien. En tout cas, je l'entends. Mais c'est surtout que je vois au téléphone. Là, on a entendu le train 1, il est bien passé pour l'instant. Là normalement le train vient de boucler, il devrait pouvoir techniquement l'envoyer. Mais bon. En fait il est au téléphone parce que quelqu'un a vu les godasses. Il y a visiblement un autre souci qui font qu'ils n'envoient pas le train. Voilà, le train 1 est là. Ah c'est bon, ça va pouvoir envoyer. Et bon. Mais avant d'aller manger, on fait un arrêt lift. Lol. Puisqu'on voit justement le lift de la nouveauté qui pousse. Et on voit quelques autres rails aussi qui passent. Là, il y a un rail twisté sur la droite. Il y a les freins sur la gauche. Voilà, c'est ça prend forme. Ça prend forme. Et on voit qu'il y a des gens aussi qui font le toit du bâtiment là-bas. Donc le nouveau coaster commence à monter. Et après avoir fait deux rails et en avoir eu un troisième en construction, on mange. Pour l'instant à deux, puisque les deux autres n'ont pas résisté à l'appel du ride. Hein. La single a ouvert, forcément il y avait trois single trains. Single à Oz. Dès qu'il y a trois trains, ils ouvrent la single. Hein. Encore une fois, avant c'était ouvert tout le temps. Pourquoi maintenant ils font ça? Je ne comprendrai toujours pas. Émeric de Longo est en train de s'amuser. Oui. Et voilà, donc moi j'ai mis 5 sauces piquantes. Toi tu as moins de merguez et du coup tu râles, c'est terrible. Je me suis fait douiller. Bah au moins, ça piquera moins, toi qui aimes pas quand ça pique. Je n'ai qu'une chose à dire, piquante ces petites merguez. Tandis que les autres mangent ici. Désolé, c'est un meilleur spot. Oh. C'est vrai que la vue est jolie. Mais j'aime moins ce qu'on y mange, personnellement. Bah après, pour ça, ça passe bien, pourquoi pas. Regardez, même Konda, il boit son verre. Ouais, posé comme ça. Ouais, vas-y, goûte. Voilà. Bon, et maintenant on va aller faire retoutage, je crois. Hein. Bah, l'histoire c'est qu'on a de chain ride, hein, voilà, sans aucun secret. On a fait combien? On n'a pas compté. Voilà. Exactement. On a fait beaucoup. Et d'ici encore, nous voyons le nouveau coaster qui pousse. On voit le lift. Oh là là, je sais plus parler. Le lift. Et on voit. Salut. On voit un virage qui prend forme, on le voyait déjà tout à l'heure, mais là on le voit un peu mieux. Ça va être beau l'année prochaine, ça va être joli.
et on voit les arbres qui bougent, le vent se lève. Attention, c'est un signe de ce qui risque de se passer ce soir. Parce que là pour l'instant il fait beau, regardez, grand ciel bleu, il fait chaud. Mais ce soir ça va peut-être péter. On ne sait pas, mais ça risque d'arriver, il y a un risque en tout cas. Sont passés les autres au 4D. Oh, c'est vrai. Cette information est très vraie et c'est terrible. On se fait un petit touta. Il y a moyen du monde, on va dire, donc ça va en fait. On peut le faire. Les premiers nuages commencent à se montrer, mais pour l'instant, ils ne sont pas très menaçants. Derrière, parce que oui, il y a bien des nouveaux rails par rapport à la dernière fois. Oui. Ouais. Wouh. On sent le chaud sur les freins. Oh. Oui. Oui. Les nouveaux rails. Zéro les stalls. Oui. L'air time. Oui. Ouais. Ouh. Non. Ouais. Problème. C'est quoi? Oh! Ben, fallait pas venir comme ça au parc. Fallait venir comme à Park Warner. Il m'a carrément déclipsé le pantalon. En tout cas, on voit bien qu'il y a un rail en virage au niveau du Gerschlau qui est stocké derrière. Et un autre rail avec du roll. On dirige vraiment vers ça là. En plus, entre marrant, la dernière fois que j'ai fait Goudu, bah, oui. Je n'ai pas fini mon tension. Ah oui, c'est. Ouais, j'ai pas fait Goudu depuis. En gros, pour expliquer juste, j'étais évacué du train bah, parce qu'il y avait un divisiteur dans le train d'après qui avait mal à la jambe et qui ne pouvait pas sortir du train. Ouais, et du coup, ils ont évacué à cause de ça. Bah, du coup, il y avait les pompiers qui arrivent pour essayer de remettre le mec du train quoi. Pour qu'il puisse sortir. Mais le problème, c'est qu'il pouvait pas. Parce qu'il y a un peu mal à la truc de meuf. Donc, du coup, bah, ça nous a fait évacuer. Sachant qu'on était que 7 dans le train, c'était marrant. Ah oui, mais c'est pas beaucoup en plus. En tout cas, là, on se redirige vers Goudu. À chaque fois que je suis avec vous, je fais Goudu. Il y a quand même un problème. Alors, moi, je fais Goudu généralement le soir, mais sauf quand il plante. Sauf quand il y a un problème. Donc là, je vais enfin.
Le kidnapping Goudu a encore frappé. Au moins cette fois-ci on a le first. Attention. Et là, on va s'en rendre compte à quel point les catwalks sont trop chauds. Oui, les catwalks sont bas. On va vraiment super level pour s'en rendre compte. C'est vrai que sur d'autres vieux Vekoma, ils sont plus hauts. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est ça qui est terrible. C'est Après, ce qui est pratique, on va dire, c'est que tu vois les roulements. Oui, mais bon, normalement. Parfois, t'as un entretien, t'as un mec de la maintenance. Bon, après, tu me diras, ça arrive souvent sur Goudu qu'il faut changer des pièces sur le toit. Ouais, mais justement, du coup, lui, il surveille. C'est le seul coaster où ça arrive. Tiens, on va faire un dueling avec le par contre, les nuages sont de plus en plus gris. Quelle bouse. Regarde à droite. C'est gris en fait. Oui, c'est gris. Il y a peut-être de légère. C'est pas noir, mais c'est gris. Coucou, T2Z. Oh non, le train est dispatch, on peut pas avoir les vagues. Oh non, on sera pas évac, zut alors. Genre limite, s'il ferait une terre, j'aurais même pas vu des vagues, tu vois. Genre j'étais genre en vrai, en fait, elle est pas assez grande la zone. Ouais, la zone est vraiment pas assez grande. Il y a un bon niveau, même ça fait mal. Oui, il y en a qui ont des voleries, pas moi. Et j'en ai eu un beau aussi. Deux pour un, voilà. Mais alors que pourtant, c'est... Oui, il y a de l'intensité, mais bon, c'est pas... C'est que en pic, c'est pas l'intensité d'un Arkham, par exemple, qui, elle, est juste abusée, et pourtant, j'ai pas eu de voile dessus. Oui. Un vieil inverted bearing, en fait, ok, t'as du G, mais c'est souvent du 4G constant sur une transition. Voilà. Là où tu dis, t'as vraiment un pic à 4G. C'est d'un coup, ça bastonne quoi, après ça bastonne moins. Ouais. Donc, arrêtez pour redémarrer. On fait une attraction que ça fait depuis 300 ans que je l'ai pas faite. Et moi que j'ai jamais fait. Et toi, tu l'as jamais fait, voilà, c'est ton premier hydre de l'herbe. Voilà, c'est ça. Alors, on a pris les nacelles orange parce qu'on vole avec EasyJet. Ouais, c'est moi, oui. Ouais. Voilà, c'est un petit Menel. Boum boum boum. Ouais. On en a fait à la foire de Cambrai, il y avait de la hard, enfin il y avait de la tech. Wouh. Ouais. En vrai, la raison. C'est trop bien avec la tech. Ça va, on spin bien. Après, tu spin mieux, ouais. On spin pas dégueu, ça va. C'est bon. On a appuyé dessus sans faire exprès. On l'a resserré dans la barre. Ah. Ouais, on a eu un bel airtime là. C'est mieux que dans les foires. Après, dans les foires, c'est plus long.
Là, tu vois, on regagne déjà le sol. Donc là, on monte plus. Mais comment il spin là, hein? On est bien équilibré. Là, on est trop équilibré. Oui, il spin un peu, lui. Mais... Bah, forcément, il est tout seul. Ah, ça a ralenti. Donc le centre de gravité n'est pas au centre. Et du coup, attention à la barre. Oui, c'est vrai, la barre va se relever d'un coup, donc faut faire attention. Attention. Boum. Ah, ça va. Ça va. C'est tout gris là-bas. Une attraction incroyable. Regardez, c'est un single ray. C'est Maoka. Maoka Milai. Voilà. Ouais. En tout cas, il y a plein de gélates. Ouais, ça se fait déjà sentir. Oui, grave. Mais ça suffit devant. Et oh, ça filme. Oh, ça saute. On a des mini airtime. Ouais. Oui! Elle m'a bien fait, il fallait réfléchir. C'est vrai, il faut pas se mettre à l'extérieur ici, sinon on termine en crêpe. Là ça va, mais je pourrais toucher le sol quoi. Et encore, je fais en sorte de pas t'écraser. Oui! Oh, menhir! On l'a pas fait pour voir le chantier aujourd'hui. Il y avait trop de monde. Oh non. Ah bah non, mais à 21h je vais essayer de faire toute la nuit moi. Non, à 21h il faut faire la tour à Cédric. Mais il faut tout faire. Ah oh, mais il faut tout faire à la même heure, c'est pas possible. Oui! Pose-toi! Pose-toi! Pose kebab? Pose-toi! Après, ça va faire un atterrissage Ryanair, ça va faire boum boum! Moi, j'ai bien le vu sur les hébergeurs que j'ai là. Bon, voilà l'heure, il est bientôt 18h, on se dirige pour aller manger. On voit que le ciel devient un peu plus noir devant, attention. Les prévisions vont-elles être fiables? Est-ce que ça va vraiment péter tout à l'heure? Et si ça pète, on n'aura pas de temps. Ah non. Mais en tout cas, ça devient vraiment plus noir devant. Bref, on va manger, on va voir comment ça évolue pendant ce temps. Est-ce qu'il va pleuvoir des cordes quand on va sortir du restaurant ou pas? Et il y a devant nous un arc-en-ciel, mais qui est magnifique, l'air de rien. Je sais pas si on le voit bien. Essaye de me rapprocher. Ah oui, il y a un superbe arc-en-ciel. Ouais, sur le noir en plus que vous avez esquivé, ça doit super bien. Non, là on le voit très bien, donc ça veut dire qu'il pleut, qu'il doit pleuvoir de à masse là-bas, donc ça s'est formé derrière. Et il y a surtout quelque chose qui risque de nous arriver ici, et ça, ce qu'on voit là-bas, ça c'est ce qui peut nous arriver dessus. Alors que là où il y a l'arc-en-ciel, ça s'éloigne de nous. On s'est installé dehors pour manger, voilà, on a pris nos petits nuggets et tout au fast. Et on s'est mis dehors parce qu'on surveille ce qui nous arrive potentiellement par là, là. On le devine un petit peu, on l'avait vu au loin. Ça se rapproche quand même, doucement. Ouais. On se met dehors, mais si jamais on voit que ça devient la merde, on rentre. Mais bon, on prend le risque. Bon, ça y est, ça commence à nous arriver dessus. On commence à sentir des gouttes. Il va falloir qu'on se rentre vite. Mettons-nous à la brique. Ça commence à pleuvoir. Ça y est, maintenant il pleut. Bon, pas forcément à grosses gouttes et de manière constante, mais il pleut. Et qu'est-ce qu'on fait quand il pleut? J'ai entendu un truc bizarre derrière là. C'est une idée d'ébris.
Bon, déjà vu ce qu'elle a dit pendant qu'on mangeait, ça m'étonne pas, hein. Parce que apparemment, je regarde des vidéos de Nemesis pour patienter le temps que les autres mangent. On croit que je regarde autre chose. Donc oui, il pleut et on va faire Pégase. Il est là, regardez, il est là, regardez, c'est beau, il tourne. Voilà, c'est bien. Oui. Regarde, on mange là-bas, Olivier. Là on passe là tous les jours avec eux. Ouais. Bonsoir. Voilà. C'est quand le drop? Ouais, je sais, je te rappelle que je passais la même route. Elle mange aussi là-bas, hein. Enfin, un peu maintenant. J'ai mangé aussi là-bas plutôt. Mais j'ai jamais testé le resto. Ah bah moi aussi. Je trouvais pas que j'avais le temps. Batman! Fuyez! Ah! Ça m'a giclé dessus! Eh ben non, c'est plein cœur! Ça m'a touché en plein cœur! Oui! Attends, il s'est passé quoi là devant? Il a dit quoi encore comme connerie, Cédric? Qui a dit quoi là? C'est Cédric qui parle de fist. Non! C'est Nicolas! Mais derrière, t'as répété, résultat pour moi c'était Cédric! Mais non! Enfin, rappelons que selon une personne devant, Nemesis c'est du moins de 18, hein. Non, mais ah, qu'est-ce que tu regardes là? C'est Nemesis! Regarde! Alors du coup là j'ai mal là. Tu sais qu'il y a un personnage qui s'appelle un Momo Fist. C'est vrai, ça fait longtemps. Je saute. Ça fait longtemps. T'as donc plus pour aller faire Nemesis l'année prochaine, hein. GoPro avec son. Ah oui, il y a des pour aller faire Nemesis. Allez, allons faire Nemesis l'année prochaine. Ouais. Oui, mais Liban, on a un point de perdre. Oui, bah on fera les deux de toute façon. On fera les deux Nemesis. Tu veux savoir, Olivier, je me suis pris la gicle les dents. Pas dans les boobs. Il est en train de filmer. Mais le film. Mais non, mais c'est marrant, comme ça on sait tout ce que l'eau était dans ses boucles. Tant que c'est que de l'eau, ça va. Ouais. Tant que c'est que de l'eau, oui, c'est sûr. Pas sûr qu'il y ait que de l'eau ce soir. Bah même. Merci. Bah même quand c'est pas de l'eau. Je décline ça. Très bien. Bravo le montage. Non, il y aura pas de montage. Youhou! Allez, quelle bonne idée quand il a plu et que les températures ont baissé de faire Menhir, vraiment. On est débiles. Ah oui, non, là je pense qu'il n'y a pas plus borné que nous. Terrible. Et on a un groupe de joyeux lurons dans le Menhir de devant. Coucou! On était trop nombreux, on rentrait pas dans un seul Menhir. Ça glisse. Mon pantalon il glisse.
Allez, c'est parti. C'est quand même une attraction aquatique de qualité. Là on va aux Iris. Qu'on risque d'aller faire. Ah ! Pourquoi c'est pile sur moi ? Oh, il y a qui en bas. Ah oui, ouais, les lights sont allumés, il y a carrément des. Ils allument carrément les fontaines quand il y a le show de Cléopâtre. Mais ça devrait le faire tout le temps, même quand il n'y a pas de show. Dès qu'il y a les fontaines, il y a les lights avec. Ça serait trop stylé. Ils nous ont distancés, en même temps ils sont trois, nous on est que deux. Ah. Aïe. Non, non, c'est eux qui vont plus vite, hein. Nous on est plus léger, on va moins vite. Aïe. Ici ça a fui la dernière fois. C'est inondé. Oh, on a des à-coups. Aïe. Et... Ah, il fait chaud ici. Pourquoi? Wouh. Oui. Ah, ça mouille. Aïe. Et là c'est la partie qui va taper. Aïe. Mais on s'est pris de l'eau d'où là, de dessus. Comment ça se fait? Aïe. Mais on a l'impression qu'il... J'ai l'impression qu'il manque de l'eau. On tape le fond. On tape le fond, on arrive. C'est terrible. Non, on pense pas à des trucs bizarres derrière. Regarde, on est rattrapé. Ouais, je suis pas convaincu, hein. Regarde, là ils vont plus vite. Bon, est-ce que le capteur va marcher? J'y crois moyen, mais on va essayer. Ah, il marche plus, hein. Non. Pourquoi ça change plus de couleur? Mais c'est bien. Sinon, pour pas que ça pose problème, faudra faire un truc sur qui détecte juste la présence du menhir. Comme ça, ça ferait l'effet tout le temps. Ah, il y en a qui sont mal réglés. On se prend des embruns. On se prend des embruns. On les rattrape parce qu'il y a un embouteillage devant en fait. Attention, on va vous rentrer dedans. Non, c'est bon, ils sont repartis avant. Par contre, nous, on va s'arrêter. Ça va faire mal. Ah non, 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 non. Non, on va se faire tamponner par derrière. Mais on parle. Non, on dirait merde, je suis fait avoir par derrière. Non, 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 attends, il y a des arbres. Le lift qui pousse. On voit bien la zone qui sort de la gare, mais je pense que c'est les freins, ça. Hein. C'est les freins, ouais. Je pense que c'est les freins. Hein. Ouais. Bref, on verra bien quand le coaster va ouvrir, de toute façon. Hein. Allez, eux, ils disparaissent. Voilà. Et on voit déjà un virage qui monte certainement. Oui. On ne comprend pas pourquoi ils font les freins, le lift et ensuite le virage. Oui, je sais pas pourquoi ils montent dans cet ordre-là. Bon. Après, par contre, c'est les contraintes de terrain qui font ça. Non, ça va. On n'est pas trop mouillé en vrai. Merci la légèreté du menhir qui fait qu'on a survécu. On n'est pas trempé. Derrière, j'ai quand même dégusté, mais ça va. T'es peut-être plus mouillé que moi, mince. Ce serait terrible. Yeah. Ah, on va pas leur rentrer dedans, tiens.
Et boum, on est rentré dans personne. Regardez, le ciel, il est beau là-bas. Là-bas, il y a un beau coucher de soleil. Et on va le voir, on va monter dans le coaster pour aller voir ça. Bah, surtout que, vu qu'il n'y a personne, vu qu'il y a eu de la pluie en fait. Oui, le parc s'est bien vidé du coup. Le parc est vide, donc clairement, on a chuté de 75%. Ouais. Le petit Osiris au coucher du soleil. On sent le vent frais quand même, hein. Mais ça fait du bien. Je rappelle que je suis en t-shirt et que j'ai pas de veste. Oui, ça les prévoit. Moi j'ai pas. Oh. Après c'est encombrant une veste. Ah c'est joli. Ça souffle. Je check l'heure pour aller faire mon tout à moi. 54. Hein, selon le temps, je vais peut-être me rapprocher. Après, ça dépend à combien il est aussi tout à l'heure. Bon ben je suis à Toutatis pour essayer d'avoir mon first de nuit et on vient d'attendre le message d'annonce comme quoi ils vont ranger un train, ce qui va ralentir les embarquements et si ça se trouve ça va niquer tous mes timings. Voilà, normalement on va voir le prochain train, il va passer à vide si tout va bien. Ça c'est celui qui termine son tour. Est-ce que le prochain train va être à vide? Eh ben oui, il est vide. Arrête-moi, je poutre! Voilà, j'ai eu un bon first que j'ai failli rater parce qu'ils ont enlevé le deuxième train au moment où je rentre dans la file. J'ai eu peur que ça me fasse foirer mon timing, mais je l'ai eu. Et maintenant on se retrouve pour le dernier train. Et c'est quoi tout ce monde qui a rejoint? On est trop nombreux. C'est un meeting, c'est un festival, c'est quoi? Il y a un event? Bah, c'est un meeting, écoute, je sais pas combien on est, mais je crois qu'on va remplir un train. Je crois qu'on va en remplir deux. Je crois qu'on va en remplir deux, ouais. Batman. 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 Ouais, je vais leur demander, mais pourquoi ils disent Batman? Bon, finalement, le dernier sera aussi au first, hein. Il fait vraiment nuit. Ouais. 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 Le coup de chaud du launch. Ouais. Oh, je vois des étoiles. C'est bon. Ouais.
Et on ne voit plus les rails, il fait nuit. On va faire déshabiller, hein, comme ça. Oh, les zéros, les stalls. Wouh. Airtime. Ah bah ça. Des portages de bracelets. Attends, on essaie de faire passer. Mais non, non, non. Qu'est-ce que ça raconte derrière là? Ça veut gratter des rides? Ouais. Non, c'est pas possible. J'ai envie de faire Batman. Ah, maintenant faudra aller faire Batman, oui. J'étais en Espagne, mais pas ce moment-là. Pas ce moment-là. Je vais faire un autre Bender B. Oui. T'as quand même fait un excellent casteur. Il y a carrément des OP qui sont montés dans ce train. Parce que moi je vois bien des tenues rouges, mais c'est pas des OP, c'est des visiteurs. Moi ça y a que des visiteurs. Le train il était vide. C'est drôle parce qu'on sort du dernier. Et regardez, on est tout seul. On s'est perdu dans le fond du parc. je sais pas ce qu'il fait. Mais... bon. Rentrer, hein. Voilà. Et on va se quitter là. Voilà, on va parler comme ça. Je sais pas, il y avait une ligne de sécu qui passait sur le rail. Ah bon? Oui, ça faisait un truc. Ça faisait un light show. Regarde, de la sécu qui sont tout là-bas. Là, ah, oui, ah oui, je vois des lights. Mais c'est quoi? Non, mais ils sont nombreux. Regarde, il y a des chasseurs. Oh non, merde, ils vont nous trouver. Vite, partons. Attends, sanglier, non, tu te places comme ça. Sanglier, non, tu fais combat. Bref, sur ce, on va vous laisser. On vous laisse avec ce magnifique switch qui est allumé. Super. On vous laisse et on vous dit à plus.